2, 1, 2. Bonjour. Alors attendez 2 secondes. J'ai le son de Perséphone derrière là qui m'arrache un peu les oreilles, j'avoue. Je vais faire comme ça, là, je vais l'éteindre ici. Voilà. Bonjour. Il y a du monde par ici, il y a des gens. Il y a un Jean, deux gens. Ça fait un bail. Du coup, je sais pas si mon setup il est pété ou il va. On va y aller tranquille aujourd'hui. J'ai eu un week-end assez chargé. Pour ceux qui me suivraient sur Instagram, vous avez probablement vu. Live painting, j'ai été faire un live painting là, milieu de la forêt, près de Osaka, avec une quarantaine de personnes. Et c'était trop cool. Et en gros, c'était que des gens. Donc c'était que des gens du domaine. Enfin, des DJ, des musiciens, des danseurs, des gens de l'événementiel en général aussi. Un contrebassiste qui est venu, un bassiste, un guitariste de 16 ans qui est trop déchiré. Il y a eu des DJ. Et en fait, c'était genre de. Je crois de midi à 10h du soir pour les DJ. Après, on a continué à faire la fête jusqu'à pas d'heure, bien entendu. Et de 8h du matin à 8h du matin, il y avait un cours de yoga. J'ai fait du cours de yoga alors que j'avais bien bu avant. Et moi, j'ai fait en fait un live painting en fait durant quasiment 4 heures, je crois. J'ai commencé vers 3h de l'après-midi. Non, un peu plus. Un peu moins, je veux dire, peut-être 2h ou 3h de l'après-midi. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à qu'il fasse assez, presque nuit, quoi, 7-8 heures. Et assez content du résultat. Je me suis un peu blessé par contre, mais assez content du résultat. Et ce genre d'événement, c'est juste. Je pense qu'il y en a partout, mais c'est vrai que j'avais rarement trouvé ce genre de truc en Suisse. Il y a des événements en Suisse, bien entendu, mais là, c'est un peu des. Il y a tellement de choses en fait qui se passent qu'on se retrouve des fois dans des soirées où en fait il y a des gens connus et tout, et tu te retrouves 40 personnes à faire. En plus, c'est juste un événement pour les gens qui font de l'événement. Enfin, c'est pas quelqu'un qui organise, c'est nous qui organisons pour nous-mêmes. Et c'était trop bien. Et du coup, je suis tranquille. J'ai pas beaucoup dormi. Mais j'avais envie de faire ce live parce que ça, je pense, la régularité, c'est le minimum que je puisse essayer d'offrir. Vu que je fais pas beaucoup de contenu, mon but, c'est pas. J'ai pas envie de vivre de contenu. J'aimerais communiquer, être en relation avec vous, que ce soit ici ou sur YouTube. Pouvoir présenter nos jeux, mais aussi, ouais, dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir faire autre chose. Là, ces temps, par exemple, je joue énormément. Énormément. Je joue principalement. J'ai toujours plusieurs jeux en même temps. C'est-à-dire, je joue pas en même temps, mais j'ai toujours plusieurs jeux que je suis en même temps. Enfin, j'arrive plus à, en fait, à mettre dans un seul jeu et faire des heures, bien que je joue des heures, mais. Genre là, j'ai recommencé Fallout 4. Et j'ai un certain nombre d'heures. Mais je m'amuse, quoi. Je sais pas si c'est pour finir l'histoire. Et du coup, là, dernièrement, je sais pas si vous pouvez voir derrière. Alors, attendez, est-ce que la caméra, elle est pas un petit peu biaisée, là? Hop! Voilà. Je préfère de ce sens-là. Attendez. Voilà. Avec la petite plante et tout. Là, j'ai des nouveaux jeux, en fait. J'ai essayé de racheter des jeux que j'avais, que je kiffais quand j'étais petit. Quand j'étais petit, non. Quand j'avais la DS, donc j'étais pas petit, j'avais 19 ans. Je partais à Lyon une année. Et j'avais acheté la DS grise. Et j'ai retrouvé justement la DS grise qui est là-haut. Une qui fonctionne. Et j'ai racheté des jeux en fait sur Mercari. C'est un Mercari. C'est une plateforme où en fait les gens peuvent vendre leurs trucs et les autres acheter leur. Enfin, c'est une sorte de plateforme de troc, quoi. Ou d'achat, mais de choses usagées. Et tu retrouves des jeux. Et en fait, la plupart du temps, les jeux japonais, les gens gardent vraiment tout. Ça, c'est un truc que j'adore au Japon. Ils font très attention à tout ce qu'ils achètent, gardent les boîtes, etc. Et du coup, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas très rare de retrouver des anciens jeux, alors que en Europe ou en Suisse, tu payes une douille, quoi. Tu payes 2 fois plus cher que ce que tu l'avais acheté à l'époque. Alors qu'ici, bah, c'est l'inverse. Genre, j'ai racheté Final Fantasy. Non, le Final Fantasy 3, je l'ai trouvé en anglais en plus. Donc,
trop heureux parce que les jeux d'aventure, j'arrive pas en japonais, surtout si c'est s'il y a trop de textes compliqués, genre les RPG, tu comprends rien. Déjà que des fois en français, tu comprends rien. En anglais, des fois, c'est un peu chaud, là, les Fallout. Enfin, tous mes jeux, moi, je les fais en anglais en général, parce que j'ai rarement, en fait, les versions françaises. Je me suis habitué à ça, en fait. Donc, même quand j'ai les versions françaises, maintenant, je les fais en anglais. Mais du coup, Final Fantasy 3 et la grande surprise, c'était Pokémon Sun, parce que je suis assez. J'ai mes phases. J'ai mes phases de jeux vidéo et je suis ouvert à pas mal de jeux vidéo. Je joue pas trop à des FPS. Mais encore des Fallout, des trucs comme ça, c'est FPS, RPG, avec du craft, des trucs comme ça, j'aime bien. Je suis pas très online par contre, voire pas du tout. Mais j'ai eu ma période, genre j'ai testé tous les Pokémon. Parce que justement j'avais ma période Game Boy Color, donc j'avais envie de retester, je sais plus lequel c'est, et de là je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre les Pokémon? Et en fait il y a tout le temps un petit peu la même structure et avec quelques twists ici et là. Et j'avais adoré sur Nintendo Switch. Il y a plein de gens qui l'ont détesté, mais moi j'ai adoré Sword. Je sais, du coup, j'imagine Pokémon Épée, je sais pas comment t'appelles en français. Et Shield, là, j'ai trouvé la structure très, justement, très linéaire et en même temps très agréable à continuer. Alors que l'autre, la Scarlet, je sais pas du coup, il faudra me donner les noms, mais. Qui est un genre monde ouvert un peu pourri là, j'ai pas du tout aimé. Enfin, il y en a plein vraiment que j'ai beaucoup aimé. Arceus, la première fois, j'avais pas trop aimé en retournant avec justement cette vision d'essayer un peu tous les Pokémon. Et là, en fait, donc, tout ça pour arriver sur Pokémon Sun, je me suis dit, mais je vais quand même pas dépenser 60 balles pour ça. Donc, je l'ai acheté à 5 balles, même pas, enfin, à 4 balles en japonais, avec la boîte et tout. Et en fait, la surprise, c'est que Pokémon Sun. Qui est un jeu 3DS, donc il faut une 3DS japonaise, ce que j'ai. Heureusement, ben, il a toutes les langues dedans en fait. Donc quand tu commences la partie, il te demande tu veux quelle langue, et du coup tu peux choisir français. Et puis j'étais là, trop bien. Et le titre même change. Petite surprise. Mais oui, du coup, c'est toi, je joue à ça. Bonheur. C'est le bonheur, j'ai. J'ai rendu heureux mon enfant intérieur qui voulait que ça quand il était petit. Et maintenant que je peux, et surtout qu'il y a Mercari, je me suis racheté des. J'ai toutes les DS. J'ai toutes les DS, je les ai eues pour entre 15 et 20 balles chacune. Elles marchent toutes. Hein. J'ai les DS, les Game Boy Advance, les deux. Il y a la orange, elle est là derrière. Hein. Voilà, la normale. Et voilà, c'est mon trip, c'est temps. Et voilà, je sais même pas pourquoi je disais ça. Mais ouais, ces jeux-là, trop heureux. Et d'ailleurs, ouais, voilà, c'est peut-être pour dire ça aussi, c'est que j'aimerais bien en fait faire des petites séances découvertes des jeux en fait qui sont un petit peu rares peut-être et que j'avais adoré, genre Molly Molly Slime Adventure, que j'avais trop kiffé en fait. Et je crois que j'en ai deux, il y en a trois je crois qui existent, une sur Game Boy Advance. Et deux sur DS, je crois. Et c'est des jeux Dragon Quest, mais genre, tu incarnes un slime. Le système, c'est un peu un système de. En fait, tu as le slime, tu le tires en arrière et pars en mode Rocket, justement. D'où le Rocket Slime Adventure. Et tu fais tout avec ça. C'est assez cool. Et donc ouais, je pense. Je vais faire Captain Velvet Meteor quand même, mais j'aimerais bien pouvoir justement proposer. Ah oui, je sais pourquoi je parlais de ça, parce que je parlais de contenu et que mon but c'était pas faire du contenu, mais j'aimerais quand même garder ça pour pouvoir justement ouais, discuter de différentes choses. Et entre autres, faire découvrir peut-être des jeux que certaines générations n'ont pas connus. Voilà, c'est bon. Quarantaine bientôt. Ça fait peur. Mais ouais, que certaines générations n'ont pas connu et que j'espère en fait, mon rêve, c'est que la prochaine Switch, là, ce soit une Switch. Tu vois ça là? Et bah, ils te mettent un deuxième écran. Parce qu'il y aura besoin. Il y aura besoin pour pouvoir faire Ça, c'est mon pronostic en fait, s'ils sont intelligents. Le pronostic, c'est qu'ils vont faire une Nintendo Switch portable et dockable. Avec sur le dock tous les trucs qu'il faut pour que ça aille en 4K. Et avec genre
des sauvegardes en plus, enfin tout ce qu'il faut pour que ça aille plus vite, c'est sur le dock. Ça, c'est en mode minima, mais avec un double écran possible, accessoire éventuellement, ou automatique, j'en sais rien, tu tires, ça pue. Pour pouvoir jouer à tous les jeux DS. Et mon rêve, que je sais qu'il n'existera jamais, mais mon rêve, c'est qu'ils mettent un port pour pouvoir mettre n'importe quelle cassette, en fait, un truc où tu as tous les accessoires pour mettre tes cartouches depuis la Game Boy Color, Game Boy Advance, DS, 3DS et Switch. Pour repaquer tout. Et comme ça, il se battrait un peu contre les émulations. Et avec un système qui serait excellent, c'est que, genre, si tu veux la version remasterisée, tu dois quand même racker un tout petit peu. Genre, tu rack, je dirais 1000 yens, en fait, je parle en yens, mais genre 10 balles, pour qu'ils te la mettent à jour comme ils font maintenant sur PS3, PS4, PS5, où tu as ton jeu PS4 et tu as une mise à jour gratuite avec tout ce qu'il faut pour que ça soit plus joli. Et je me disais, mais en fait, ça serait le truc en or, parce que. Sur le marché, bien sûr, plus personne se fait vraiment d'argent, mais il y aurait le marché des cartouches qui continuera à tourner. Et ils pourraient en ressortir en mode cartouche vintage. Ceux qui ont le jeu, ils peuvent quand même se faire de l'argent avec les gens qui ont déjà le jeu, parce qu'en fait, ils voudront la version améliorée sur l'écran, probablement. Ça coûte pas très cher. Ils ont déjà acheté le jeu une fois, et tous les autres, et ça serait excellent. Je pense qu'ils vont plutôt aller comme ils sont maintenant, c'est-à-dire que tu payes par mois et ils vont choisir quel jeu tu mets. Ils auront c'est un bordel, mais ça serait excellent. Bon, commençons, hein. On va se mettre sur Tale of Demeter. Donc, la semaine passée, on en était. Est-ce que la musique est horriblement forte depuis tout à l'heure? Non, hein, il n'y a pas de musique, hein. C'est bien. Alors, je vais vous mettre la musique. Du jeu. Est-ce qu'il y a du son? Oui. Est-ce qu'il y a trop de son? Voilà, donc Tale of Demeter. On avait fait le verre, on avait fait le poison. Est-ce qu'on est arrivé là? Donc on est sur le dernier chapitre où Déméter arrive enfin aux enfers. Et elle arrive avant Perséphone. Donc Perséphone est toujours en train de prendre la compagnie de Charon. Et elle arrive enfin près de l'île que l'on voit au début. Et Charon se rend compte de quelque chose. Et se téléporte ici. Donc il y a Charon qui est là, des masques bizarres et Déméter qui arrive aux enfers. Attends, mais j'entends pas. Il se balance le son un peu. Hein. Je suis bien là. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est Charon, il tourne sa... Il a son. Comment on appelle ça? Ah! Oh. J'allais dire son guidon. Je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, sur les volants des bateaux, il y a un nom. En fait, à chaque fois qu'il le fait sortir, il te fait tirer d'un côté. Donc, le but, bien entendu, c'est de mourir et de se faire poser. Que même autant de vent qu'on fasse, le corps soit toujours là. Voilà. Donc là, quelle que soit la direction, et donc Charon va là pendant tout le chapitre, il va essayer d'arrêter Déméter avec son vent. Là, le but c'est pas mourir. Direction. 4 directions.
en fait, chaque fois qu'il est dans une direction, il va nous attirer, en fait. Si là, il est en haut à droite, il va nous attirer. Je suis assez content, en fait, si vous regardez le début du jeu, donc c'est-à-dire, ok, petite parenthèse, comment Persephone a été fait, il faut comprendre que en fait, on a sorti le jeu que avec la storyline de Persephone, d'abord, presque en early access. On a sorti comme ça, et ensuite, on a chaque 3 mois, on sortait un épisode, je crois. Donc il y en a eu 4, enfin sortez chaque. Donc là on est au 4ème et donc on a fait l'année d'après on a fait un chapitre. En fait ce que je suis assez content c'est que les designs sont charmants, ces animations, etc. Si on regarde Persephone, la nana normale et puis Demeter, sont des animations. Enfin ce sont des animations qui sont assez design. Et là, Charon, il défend un peu plus, je trouve. Punch. Il faut que je me concentre. Je sais pas. Le but, c'est que je me là, cette caisse, elle tourne en ensuite, moi, il faut que je puisse mourir. Charon, c'est un peu compliqué de naviguer là comme ça. Ok. Ouais, c'est pas si facile. Hein. Oh, oh, c'était pas fait exprès. Oh. Ok, les choses. Il y a des choses étranges qui se passent. Charon, c'est complexe. Hein. Il faut utiliser son cerveau là. C'est pas fait pour moi. Ah mais tu... Yes. Ah, il faut comprendre le... il faut comprendre le rythme. Mais c'est presque musical là, c'est normal. C'est compliqué. Ça défonce. Je me rappelais plus qu'on avait fait des niveaux aussi complexes et intéressants en même temps. Encore une fois. C'est pas faire un bon jeu qui vend bien. Malheureusement, il faudrait reskinner tout ce jeu là. Faire toute une trame intéressante. Un truc marketing qui fait que les gens ont envie de l'acheter. Bon, les puzzles c'est toujours un peu compliqué. Que dois-je faire? Expliquez-moi. Je vois que là-bas il y a. Charon, qu'est-ce que tu me fais? Est-ce que si je pose un corps mort là, tu vas me mettre tout seul dans le trou?
y a pas de truc pour se transformer en pierre. Hein. En fait, il faut laisser le... Ouais. C'est pas des âmes du coup, c'est des âmes. Du coup, c'est un Un truc qu'on peut être sûr, c'est qu'on c'est pas par là que je dois aller. Est-ce que je dois réfléchir? Est-ce que les choses peuvent venir naturellement? Faisable. Parce que je vais me servir de ce cas là en fait maintenant, la prochaine fois que je serai dans cette situation. Oh non. Donc tout c'est dans le micro, c'était pas... Oula, vous voyez la petite créature là en haut là? Bah je sais plus ce qu'elle fait. Ah oui, je sais ce qu'elle fait. C'est cette petite créature, c'est un easter egg avec un autre jeu du studio Oden Cat qui font des jeux mobiles. Et lui de son côté, je sais pas ce qu'il a fait. Donc pour ceux qui savent pas, on avait fait des easter eggs avec certains jeux dans la première partie de Castle, avec le jeu Olia de Thomas Olson, avec le jeu Towaga de Suicide Games, et avec le jeu Pot au feu, qui est un jeu mobile c'est marrant, très joli.
Je crois que le plus marquant c'était celui avec Olia, parce que dans Olia en fait il y a clairement Perséphone qui est dead, et tu peux marcher dessus pour passer un moment où t'es dans une prison. Bon, sur ce, le level secret de ce dernier. Ah, de ce dernier. Donc, ça, c'est vraiment le dernier chapitre du jeu. Il s'agit de Cerber, de son antre. Donc, ces trois petits chiots là. Et chacun a des. Alors, je sais pas si je vais réussir. Longtemps et je sais pas. C'est cool. Donc en gros ils ont chacun un rayon. Le premier c'est rayon feu. Le deuxième bah, c'est Méduse type qui pétrifie. Et le troisième qui est censé être mignon en fait il est ultra. C'est lui qui zombifie. J'aime bien les designs. Non mais je sais pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais j'étais assez fier d'avoir trouvé. C'est très simple en plus à l'époque, là je ferais vraiment différent. Bon, moi j'aime bien l'humour de mon jeu. Ouais, Déméter quand elle est en mode elle est en mode zombie, elle a des champignons sur la tête au lieu de fleurs. Parce que voilà. Là j'en ai deux. Je suis content. Je suis content, j'en ai deux là. Et comment j'atteins le. Attends, c'est pas logique. Ah oui, mais c'est avec les portes là. C'est ce que je suis en train de faire en fait. Ça va me donner accès au dernier. Doyate. T'es cool. Voilà, c'est ça, c'est que. Non, je n'arriverai
pas mettre un corps en pierre. Je suis obligé d'aller à la... C'est ennuyeux, mais c'est ennuyeux. Je suis obligé de le passer. Hein? Ou je vous montre. Je vais faire ça. Hein. On va faire des trucs. C'est qu'on peut avoir un zombie là. Par contre, ça. Voilà. Je dois avoir 3 zombies. Probablement un ordre. Pour commencer avec 3 zombies. Bon, vous avez compris le truc, hein? Ça va être là. Mais en gros, il faut mettre les 3 zombies champi Déméter là. Ils se mettent sur les dalles. En même temps que la dernière Déméter puisse aller se mettre sur ce tentacule là pour se transformer en une ronce. Se transformant en une ronce. Elle devint la ronce. Très intéressant level à part ça pour ceux qui aiment se gratter la tête très fort. Ouais, j'aime bien ce genre de jeu. Hein, parce qu'on l'a fait aussi parce que j'aime bien ce genre de jeu. Mais je suis pas très doué en vrai. Il y a des choses que sur lesquelles je réfléchis un peu out of the box comme on dit. Certaines. Il y a certains niveaux qui ont été faits par moi-même, par mes soins. Néanmoins, je ne suis pas le plus doué pour résoudre ce genre de problématique. Je m'en sors, hein, je m'en sors. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai fait faux? C'est pas par là. Oh, c'est par là-bas. Hein. God damn it. Oh non. Non, fais pas ça. Tu fais ça. Pourquoi tu me fais ça? Moi, un créateur. Là. Depuis là. Comment que je fais? J'ai le droit de mourir aujourd'hui. J'ai le droit de mourir. Une fois. Et... Bon, parce que quand elle est empoisonnée et qu'elle arrive sur le débiteur, bien entendu qu'elle saute. Ah voilà, ah ouais, j'avais oublié. En fait, genre pendant un moment, on n'avait plus Charon là. Et il est de retour. Et il va nous emmerder grave. Des levels de plus en plus difficiles. Je vous l'annonce. Jusqu'ici, tout va. Là, c'est safe. Pas moi, mais. Qu'est-ce? Il a du coup. Parce que je gagne. En fait, je gagne des mouvements grâce à ce gentilhomme. Sur cette case. Et là... Quoi? Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu me dis là? Là.
Attention, j'arrive en duel. J'arrive pas à compter comme ça. Voilà, jusqu'ici tout va bien. C'est qu'il le pousse en même temps que le laser, donc je sais pas si vous voyez, mais sur l'animation du personnage, il y a une sorte de roue. Chaque fois qu'il a la roue, la fois d'après, il lance. Ce qu'il faut que je fasse, c'est d'être sur une case. Toujours sur cette case. C'est pas sur cette case que je veux que les voient. C'est ça que je veux. Ça serait facile en fait, je fais ça. Sauf qu'il y en a deux à aller. C'est juste. Je fais ça. Thank you.
Je comprends ce qu'il faut que je fasse. Je ne sais pas comment. Jusqu'ici j'y arrive. Il faudrait que je fasse ça. Non, il faut que je fasse ça. Je me déplace en fait. Là, chaque fois je me retrouve sur cette case là avec ce truc. Comment faire en sorte de perdre dans ma tête? Ok, moi je suis en train de... Non, je suis en train de me planter quelque part. Je suis en train de me planter quelque part. Je crois que cette caisse en fait est inutile. Caché derrière genre tout le long quoi. Non, attends-moi. Yes. Elle a disparu. Oh, okay, l'enfant. Ok. Je souffre un petit peu. Donc là, you
Mais quoi, arrête. Bonjour les gars, je crois que c'est pas mon jour. On va faire comme si j'ai fait. Voilà. C'est pour pas spoiler. Non, mais c'est pour pas spoiler. Je voudrais pas spoiler l'avant-dernier et le dernier level quand même. Là, je vais donner la solution. Celui-là non plus. Celui-là. Faire un live avec Guillaume et je vais lui demander de passer ses foutus. C'est un truc comme ça. Non, il faut. Perso là. Ça les perdus. C'est probablement pas égal. J'en mets une là. L'autre. En gros, truc de taré, il faut que j'ai 3 persos là-dessus et que celui du milieu ça soit mon perso pour pouvoir ensuite passer parce qu'en fait là c'est en fait celui du milieu, parce que, en fait, si j'en ai une sur chaque case plus la mienne vivante au milieu, et ben elle peut passer comme ça. Moi je suis ça. Et en fait ce qu'on a fait c'est que si tu arrives à faire tous les levels sur toi, parce que j'ai réussi, n'est-ce pas? J'ai passé aussi le Cerberus qui m'a parce qu'on a fait ça, on a fait grand, on a réussi à passer la barre. Bien, on a le droit à un petit cheat. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On a un pont qui normalement ne se fait pas si on n'a pas fait tous les levels. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, on se téléporte de l'autre côté. Mais c'est incroyable! Allez, j'ai grave cheaté, mais il faut comprendre un truc, c'est le dernier level. Et là, on comprend en fait. Déméter arrive dans les enfers avec sa sorte de graine de l'enfer. Charon essaie de l'arrêter, mais il ne peut pas. Attends! Et il se fait aspirer, toutes les âmes se font aspirer. Et il se transforme en énorme. Rappelle quelque chose, hein? Le level de fin, là? Eh ben. C'est Déméter qui a créé ce boss. Et si ça se trouve, c'est elle, en fait. Et en fait, t'as brûlé ta mère. Oh! La mythologie grecque, la violence. Non, c'est là. Donc c'est ouais. Spoiler alert. Déméter a est ou a créé le boss de fin de l'épisode de la storyline de Perséphone. Et du coup, c'est une vraie tragédie, une tragédie digne de la mythologie de grec. Et du coup, pour quand même finir en beauté, on va se faire ce petit on va se faire rapidement là Hades de Aftermath, qui est le petit chapitre gag qu'on a mis à la fin. On va laisser Perséphone tranquille. Oh, plus de magie. Oh, qu'est-ce qui se passe?
C'est un corps? Mais c'est mon corps. Ah, on va recommencer à balayer. Et en fait, c'est Hadès qui s'y met. Et lui, son truc, c'est faire bouffer. Il remonte tous les étages. Il remonte tous les étages qu'on a fait, en fait, donc depuis l'enfer jusque tout en haut, pour nettoyer tous les corps qui sont restés derrière et donner ça à bouffer à sa poubelle void dégueulasse. Et à chaque fois qu'il, en fait, chaque fois qu'il remet un corps, ça redonne du coup des âmes, enfin des âmes, non, ça redonne l'énergie, et ça redonne l'énergie en fait aux enfants. Et lui, il s'en fout, il vole. Il s'en fout, regarde, oh, des pics. Vide. Oh, je n'ai rien, moi je suis Hadès, moi. C'est mon realm ici. Par contre, les corps, non. En fait, il faut faire attention. Lui, il vole. Ah, voilà. Et on recommence. Je crois que c'est probablement mon. En fait, il faudrait des levels comme ça en interact. On entraque entre chaque niveau trop difficile, quoi. C'est quand même assez drôle. C'est assez simple. Réfléchir un peu. Mais... Et chaque fois, il remonte en mode super. Donc là, c'était avec les. Donc là, il est dans les enfers toujours. Mais je sais plus si c'est seulement dans les enfers ou s'il y a quelques autres trucs. Voilà, là, c'est le nouveau mode posé. Si tu te plantes, tu te plantes. Est-ce que ça peut donner à manger? Quoi, t'aimes pas les... Comment ça, t'aimes pas les caisses? Okay. Je t'ai éduqué comment? Je touche chez moi. J'aime beaucoup ce level parce qu'il fait réfléchir différemment et ça relance. C'est plus fun, c'est plus fun. J'ai la musique sur ce. J'ai une certaine fierté en fait d'avoir réussi à faire quand même. Qu'on ait réussi à faire un jeu comme ça pour nos premiers jeux. Fierté non non cachée. Je pense que. Donc encore une fois je me. Encore une fois je me rappelle pas de toutes les solutions. Et, J'essaye. Donc ce corps là, il faut clairement mettre quelque chose là, mais. Mais quoi? Ça, je peux l'utiliser là. Ça va être simple. Et là, c'est pas pour mettre du feu en fait, c'est vraiment juste pour les. Protéger. Est-ce que je dois faire tout un. Non. Attention quand vous jouez au stick comme moi, parfois on a des petits moments où ça se passe dans toute direction. Et ça peut être létal. Voilà. Directionnel parce que c'est vraiment le truc où genre le dernier tu penses qu'il y a. C'est un peu comme les boss qui ont presque plus de vie mais qui sont tellement agressifs que c'est une erreur. Je crois qu'ils ont plus de vie donc c'est bon, tu peux y aller. Ah bah là c'est assez simple en fait, il suffit de déplacer.
pas ça dans notre royaume. Je vais passer par derrière. Mais non. Alors on m'empêche de faire des trucs cool. S'il te plaît, quoi. Ah, je peux passer par là. Est-ce que je peux passer par là? Je vais commencer par ça parce que c'est plus. Ah bah ouais. C'est ça d'avoir personne dans le chat qui va me donner des tips là. Donnez-moi des tips. Aidez-moi un peu. Soutenez. Bon, on va d'abord finir avec la Perséphone. Hein, ça va être cool, on va pouvoir jouer à Captain Velvet Buffer avec les voix en français. S'amuser. Moi je ferai ça. Bah, si je peux dimanche prochain, les dimanches c'est un peu. En même temps, c'est. C'est ultra bien parce que c'est un peu mon congé. Et en même temps, c'est là où on est le plus fatigué. Souvent, parce qu'on a fait plein de trucs la veille. Oh non, mais. Rinaldo, qu'est-ce que tu fais? Non, je veux pas la solution, je sais, je connais ça. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire aussi. Même cet épisode qui est un petit peu plus simple, il est pas si simple que ça. Là tu vois, je suis en train déjà de faire. Ce qu'on doit pas avoir, c'est deux cornes en derrière. Deuxième pylône. Il est où? Ah ouais, en bas. Energized. Donc à chaque fois qu'on met un corps, il y a un de ces pylônes qui est gris. Qui va bien en électrisé. C'est le seul, vous aurez noté, hein, c'est le seul stream où j'ai un peu triché. Parce que franchement, l'avant-dernier et le dernier level de Demeter, c'est genre infernal. C'est ce qu'elle veut dire. C'est censé être ça. Donc le but, c'est de réussir à mettre... Pour que le corps il tombe là-dedans. Là. Faut les lancer c'est un peu compliqué là parce que t'es sûr que les corps ils glissent du coup est-ce que je peux faire ça, je t'utilise toi là comme ça. Et puis pour le dernier du coup il faut que je. Mais facile. Celui-là, peut-être qu'il va falloir faire un petit tricks. Il faut que je mette ça pour l'instant. Non. C'est fini. Ça là. Là. Désert. Donc c'est tous les niveaux qu'on a fait en plus, hein, si vous regardez. Lui il tire plus rien. Il sait que c'est son maître. J'aime pas trop quand il y a des trucs qui cassent comme ça.
commencer par le plus loin. Commencer par le plus loin et essayer de casser le minimum de trucs. Que de mal. La neige. On revoit tous les levels. J'aime beaucoup pouvoir jouer des créations, se rappeler les moments, enfin le mindset dans lequel on était quand on a fait ça, les difficultés et tout ça, et de voir qu'en fait le résultat est pas si mal. C'est toujours un peu moins. Pour l'instant, là où j'en suis, peut-être qu'un jour ça sera obvious. Les jeux fonctionnent pas. Mais après deux jeux de prototype, je commence seulement doucement à rendre compte qu'on arrive à faire des bons jeux, mais pas toujours un endroit ou l'autre. C'est pas toujours. Et là, je trouve que dans ce jeu-là, on s'en sort pas mal. Ok, sauf que là. J'enlèverai ça et voilà ce qui va se passer. Voilà, celui-là, celle-là, c'est ici aussi. Et vu que j'ai ouvert le pont, j'imagine que lequel enlever en premier en fait. Est-ce que celui-là? Clairement, ça c'est pas celui-là, on va pas l'enlever. Je sais pas. Là, celui-là il est safe, je peux le manger. Ouh non, je peux pas le manger là. Ah non, je sais. On a bientôt fini. Une fois que je finirai ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu rigoles? Ok, je crois que le jeu a bugué. J'essaye de faire court là. Je suis arrivé un peu au max de mon temps. Je vais pouvoir y aller bientôt. Mais j'aimerais terminer cet épisode parce qu'il est fun. Ayez patience. Ça c'est bien. C'est que... Ah bah du coup là on est là, c'est bon. Hop, après l'autre. Ce serait cool de voir la créature, j'aurais voulu faire beaucoup plus d'un point de vue narratif, drôle et tout ça. Qu'est-ce que ces power, là, toutes ces orbes là, ça power up quoi, tu vois. Je trouve ça fun. Est-ce que je suis déjà flocked up là?
que ça fixe là. Là. Oh, vas-y. Vas-y que je te mange des cadavres pétrifiés là. Heureusement que ouais, vraiment, heureusement que le design est assez kawaii en vrai. Parce que ça aurait pas passé en moins de 7 ans là, sur le jeu. Mais j'y arrive, j'y suis arrivé. Et ben voilà. Et ils ressortent victorieux de tout ce long travail. Non. Une zone de Hadès est encore vivante. Hadès de Aftermath, fini. En gros, cette fin là, c'est la vraie fin. C'était au cas où on ferait un Persephone 2, on aurait quelque chose à dire. Voilà. C'était fun, c'était rigolo. C'était trop dur, beaucoup trop dur. C'est la fin du jeu, hein, donc... là, le Déméter, là, il m'a fatigué, quoi. Vraiment, le dernier épisode, là... Vous voyez la souris, là? Non, vous voyez pas ma souris. Les deux derniers levels, là, en bas, et le Cerbère, c'est-à-dire le triangle. On te fait un cauchemar. Et du coup Hadès c'est vraiment fun. C'est super rigolo. Mais ouais du coup testez-le, il est pas cher. Il est sur quasiment toutes les plateformes. Il est pas sur PlayStation, mais il est sur Switch, PC, Xbox pour moins de 10 balles. Je crois que même peut-être autour de ouais peut-être 10 balles 9 balles et on a toujours des enfin on essaie de faire toujours des soldes donc voilà et ben peut-être je dirais si c'est la semaine prochaine ou pas on commencera je pense Captain Velvet Meteor si on fait pas d'autres trucs genre d'autres jeux on avisera selon le mood mais je veux commencer Captain Velvet Meteor quand même mais j'aimerais bien le faire tranquille parce que là je suis en train de le finir aussi en anglais et... C'est vrai que repasser sur tout le truc, ça peut être pour moi mentalement, c'est un peu fatigant. Mais s'il y a du monde qui est motivé et tout, ouais, c'est pas cool. Donc voilà. Sur ce, je mettrai l'épisode 5. Donc ça, c'est l'épisode 6. Je mettrai l'épisode 5 sur YouTube tantôt là. Et cet épisode va venir directement après. Je fais ça vraiment tranquille à mon rythme. Donc, continue à suivre la chaîne. Subscribe, like, tout ça. Comment on dit? Subscribe. Inscrivez-vous. Je crois personne. Mettez un pouce bleu. Tout ça. Suivez-nous. On vous aime.